Ouais, donc c'est pas comparable. Par contre, on a des. La mine. Voyons voir la mine normale d'uranium. Du 5. J'aimerais que. La mine d'uranium du 5, elle peut réduire la pollution au niveau standard des autres mines. Elle peut se moderniser, ok. Passons à la mine standard d'uranium du 6. La mine d'uranium du 6, elle a le protocole des bénéfices, comme toutes les mines. Et donc, elle diminue la pollution de 10 seulement. Ok. Repassons au 5. Alors, on a fait le puits de pêcheur, le camp de bûcheron, maintenant le puits de pétrole. Alors, donc, il permet d'avoir du gaz naturel et du pétrole. Et il y a la phrase seulement, donc ça augmente de 20 et je peux augmenter les réserves sur le 5. Passons au 2. Alors, mine de pétrole. Le puits de pétrole. Ah, ouf. J'avais pas. Le puits de pétrole du 6, ça augmente l'efficacité de 20, ok, comme l'autre. Et ça réduit l'épuisement du gisement de 80%. Sur le 5, c'est un dégât qui fait ça. Ok. Et uniquement du pétrole sur le 6. Repasserons au 5. Que j'ai une attaque rebelle.
La ferme hydroponique. Escadron de la mort aussi. Je vais mettre une base militaire en plus. Ah, je peux pas le faire pour l'instant, mais ouais. Alors, ça peut faire une irrigation, l'efficacité augmentée de 20. Ok. Ils vont crever de faim si je fais, je construis pas. Ouais. Donc, l'irrigation, ok. Sur le 6. On peut pas espérer sauver la planète. Ok. La plantation hydroponique. Donc on a le presque naturel, ok. On a là presque sans nature. C'est un peu pareil. Et ouais, je. Oui, c'est comme tout. D'accord. Passons au 6. Repassons au 5. Élevage intensif. Alors l'élevage intensif, ça élève comme d'habitude. Mais il y a la vaccination dessus. Contrairement à un ranch. Ça augmente juste. Je veux juste regarder. Ouais. Ouais, il y a la vaccination en plus sur un élevage intensif. Sur le 5. Passons sur le 6. Industriel. Le taux de production baisse de 25% tout en augmentant la consommation de vin, ok. Et augmente, diminue la qualité de travail. Et ils ont la vaccination eux aussi. Repassons au 6, au 5. Encore des rebelles qui attaquent. Les mines automatisées, ça tombe bien. Bah. Ils m'ont tué ma mine. Bon, moderniser. Alors les mines automatisées, ça réduit, ouais, donc, mais ça augmente la
quantité de roches. Passons au 6. Les mines automatisées sur le 6. Il y a le protocole, ouais, donc ça augmente l'efficacité de 20 et ça diminue la quantité. Ok, ça augmente donc pareil. C'est ouais, c'est un peu la même. Passons au 5. La raffinerie de pétrole. Déjà, ça se pose sur les côtes, dans le 5. Donc, biocarburant, ça produit du gaz en fonction du nombre de plantations et de thermite urbanique. Ajoute un cycle de production supplémentaire. La raffinerie de pétrole transforme le charbon en pétrole. Et la pollution générée par la raffinerie est diminuée de moitié. Passons au 6. Le 6, plateforme pétrolière. Malgré que c'est pas exactement ça, mais donc augmente le taux de production, abaisse le... Ouais, c'est pas du tout, y a rien à voir. Et ça permet quand même d'aller chercher les gisements de pétrole sur l'eau. Passons au 5. Alors, donc on a fini avec les matières premières. Passons à l'usine de meubles. Mais pourquoi je pouvais pas le faire? Ben si, normalement je pouvais le faire. Cadre, ouais. Oui, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai déjà fait en vrai. Ouais. Bon, le lab. Par contre, le laboratoire pharmaceutique, je suis pas sûr. Les citoyens réclament des élections, président. On dirait qu'ils veulent choisir comment être dirigés. Quel égoïsme. Oui, le laboratoire pharmaceutique, je l'avais pas fait parce que... il était en temps moderne dans le 6. Donc le laboratoire pharmaceutique, déjà il peut produire des médicaments sans... vraiment de pétrole. Donc ça augmente l'efficacité. Et...
rajouter encore une base militaire parce que ça va pas. Et je vais améliorer. Donc ouais, ça fournit aussi les cliniques et les hôpitaux de l'île. Et oui, et le pétrole est optionnel. Alors passons au 6. À 24. On va dire le moment n'est pas idéal. Laboratoire pharmaceutique. Là, on est obligé de mettre du pétrole dedans. On a placé beau puissant. On peut utiliser du sucre à la place du pétrole. Et par contre, en approvisionnement des marchés locaux, c'est les boîtes de nuit, les stades. Pour le 6. Ok. Passons au 5. La maison de mode. Alors, la maison de mode, son entrée c'est du tissu. Sur le 5, l'efficacité est augmentée de 15 quand il y a des stations de télévision sur l'île. La qualité des services du bâtiment de divertissement proche augmente de 5 en couture. Et l'éducation requise est réduite les. Ok. Passons à la maison de mode du 6. Alors là il faut absolument du cuir et du tissu. Attends. Non. Il faut pas les deux. Regarde les vêtements. Attends. Ouais, en fait, il est bugué de niveau de protection. En haute couture, ça augmente le salaire de 200 et la qualité de travail de 20. En magasin d'usine, ça augmente de 5% la qualité des bâtiments de résidentiel. Alors, repassons au 5. Alors, 5, j'ai dû sûrement la faire la joaillerie. Alors l'usine de voiture, l'usine de voiture, il faut du bauxite et de l'acier. Dans le 6, il faut du caoutchouc et de l'acier.
fait pas grand chose. Ça augmente l'efficacité des bâtiments agricoles, des plantations. On peut générer moins de pollution et diminuer le nombre de travailleurs. Passons au 6. L'usine de voitures. Du 6. Alors, ouais, donc je vous disais acier et caoutchouc. Elle permet aussi de que tous les gens, tous les travailleurs de l'île utilisent des voitures, en voiture de société. Augmente la qualité de travail de 5, ça assemblage automatique comme sur le 5. Et on peut augmenter notre réputation auprès des écologistes de 5 aussi. Passons au 5. Des trucs qui peuvent c'est actif. On va faire une ration supplémentaire, baisse d'impôt. La chocolaterie. Oui. Donc la chocolaterie sur le 5 peut augmenter la qualité de travail. Déjà, il faut du sucre et du cacao. On peut ajouter un cycle de production à guler. Et puis on peut consommer moins de matières premières. Donc passons. Je crois que je peux faire ça. La chocolaterie du 6. Donc la chocolaterie, c'est du cacao et du sucre, comme sur le 5. Mais on peut aussi faire du chocolat noir. Et puis augmenter la qualité du travail de vin. À l'usine d'électronique. Tiens, mais justement, voilà. Alors, l'usine d'électronique du 5, ça permet de réduire de 50% le budget est réduit de 50%, mais les relations internationales avec les USA et l'Union européenne sont réduites de 5. Ouais. Réduit le nombre de travailleurs de 2 et augmente la capacité de 20 et consomme moins d'or.
Il faut du bauxite et de l'or pour l'usine d'électronique du 5. Passons à l'usine d'électronique du 6. Alors, il faut du plastique et de l'or. On peut allonger les horaires de travail de 100, diminuer le taux de production de 20 et la qualité de travail de 50. Les travailleurs ont une chance de 500% de mourir à la fin de leur travail. Augmente les robots d'assemblage aussi. Okay. Les appartements. Pourquoi j'ai pas fait les appartements? On va faire les appartements. Alors, ils sont en tassement. Ça permet de loger 4 familles supplémentaires, mais la qualité de logement est de 10. Et donc la qualité et puis l'électrification, et normalement passons aux appartements du 6. Raccordement électrique pour les familles aisées. Ok. Donc, revenons au 5. Les appartements modernes. Le dernier appartement du 5. C'est pour des moyens. On peut leur mettre appartement de luxe qui augmente la qualité de logement de 20. Passons aussi des appartements modernes du 6. Donc c'est pour les aisés comme l'autre. On peut seulement leur donner, leur faire consommer moins d'électricité. Donc passons au 5. On va faire les loisirs normaux. On a le... J'avais fait jusqu'au cirque, ouais. On a le cinéma seulement sur le 5 en loisirs.
Le cinéma sur le 5, déjà c'est pour les tourismes familiaux et... Ouais. C'est les touristes de villégiature et ça améliore les stations de télévision de ville. Passons. Passons 6. La salle de cinéma. Ça permet de faire de la propagande. Et... Ouais. Et c'est tout. C'est pour les touristes de villégiature. C'est à peu près les plagistes du 6, quoi. Ok. Passons. Repassons au 5. On va faire l'usine d'épuration qui est... Alors l'usine d'épuration... ça augmente l'efficacité des grands chantiers à Syrie, usine des voitures et usine d'électronique proche. Et ça réduit la pollution dans les environs. Passons à l'usine d'épuration du 6 qui est dans centre de traitement ou décharge. Ouais, je vais plutôt mettre le centre de traitement. Qui est un truc propre. Ça produit 4 mégawatts, ça peut produire 4 mégawatts de puissance électrique. Et ça peut produire de l'aluminium, du caoutchouc et du nickel en fonction de l'efficacité. Repassons au 5. Ouais. De vaincre sans tricher. J'avais pas fait les ruines anciennes, je me souviens. Quoi, il n'y a pas de ruines anciennes ici? Pourtant, je... Ah si. Oui. Merci. Donc avec la rune ancienne, ça permet de recueillir les touristes cultivés. Et oui, par contre. Riche, c'est pour les riches. Je peux faire de la contrebande de reliques pour avoir des provisions sur mon compte en Suisse. Et les touristes plagistes de villégiature peuvent venir. Passons. Ancienne de Tropico 6.
pu choper ni le... Donc, déjà c'est pour les culturels et le tourisme, donc les champs à champ moyen, à budget moyen. Donc, on peut exploiter en parc à thème. Générer des connaissances avec et générer de l'argent suisse avec aussi sur celle du 6. Passons au 5. Les musées. Est-ce que le musée est sur 6? Je me suis un peu en... Ouais, on peut dire que c'est le musée d'art moderne. Ouais. Alors, le musée... Donc ça amène des touristes cultivés et ça augmente de 25 l'efficacité de tous les lycées proches. Passons au musée d'art moderne. U6. Augmente les frais de 4$. Ouais, les enfants n'ont pas le droit de visite. Diminue la qualité de service, mais augmente l'intégralité des lycées et des universités de 10 en accès libre ultra moderne. Bien sûr, passons au 5. Boîte de nuit. La boîte de nuit, elle est pour les richesses moyennes, elle a rien de spécial. Par contre, les enfants ne peuvent pas y aller. Passons à la boîte de nuit du 6. Club de riche augmente plus de 50% et la qualité aussi, et puis on peut augmenter la qualité de service en plus.
repassons au 5. Le stade. Le stade n'a rien de spécial. Donc pour les touristes riches, puis tous les types de touristes sont ajoutés. Ok, sur le 5, le stade du 6. Donc le stade du 6 augmente les frais de 25. Chaque visiteur a 50% de chance d'endommager le stade. Ok. Tribune VIP augmente la qualité de travail et la qualité de service de 5 qui augmente les frais. Merci okay. pour votre aide, président. Repassons au 5. Le club de Delta Plane. Alors, le club de Delta Plane du 5, c'est pour les gens riches. Et ça augmente la qualité de service de 25 avec Monto Plane. Passons au club de Delta Plane du 6. Alors, tour supplémentaire, on peut augmenter le temps de visite. Et carburant supplémentaire, ça augmente les raids. Ça réduit le temps nécessaire pour les raids par rapport à l'école d'espionnage. Ça peut être très puissant. Moteur puissant, ok, c'est un peu la même que sur le 5. Passons au 6, au 5. Donc, hôtel de campagne, je sais qu'il n'y est pas. Ah, le bateau de croisière. Du 5. Ça peut loger des... des tourismes familiaux. Passons au bateau de croisière du 6. Alors, on peut faire du bateau poubelle. Je
vois pas pourquoi, mais voilà. Et ouais, on peut augmenter l'efficacité de 10 aussi. Passons au 5. Alors, Ascinda. J'avais fait la guerre cabane. Hôtel des campagnes, ok. On n'a pas de fil d'or. Si le level des vilains, on met ça dans le 6, il me semble. Pour les gens riches, okay. Et de toute façon, Vilou de la Côtière, tout simplement. Pareil, c'est pour les gens riches. Mais qui a... ouais. Qui a maison calme en plus qui augmente la qualité de logement et puis on peut améliorer l'efficacité aussi. Pour le motel, on a aussi l'hôtel familial dans le 5. C'est le club de vacances. Pour les touristes familiales. Passons au 6. Donc on peut le... Ouais, c'est pour les enfants, pour le 6. Passons au 5. Hacienda. C'est un peu pour tout le monde. Donc SPA. Ouais, c'est un peu les hôtels de luxe du 6. Ça peut en loger 10. Ok. Passons au... ouais. Les gratte-ciel hôtelier pour le 6, oui. On peut augmenter les chambres de 2. Puis des touristes amateurs de sensations fortes et des villégiatures. Okay.
Alors, repassons au 5. Ouais, l'aérodrome le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pour les riches. Alors, vol diplomatique, il gère les relations étrangères et puis il augmente les profits de vente de billets. Alors, l'aéroport du 6. Lui fait aussi métro. On peut utiliser. On peut lui donner toutes les classes, même aisées, de aisé à difficile. Ensuite, on a la boutique Cortex, ouais. Voilà, ça sous métro, donc j'avais dit. Et puis augmenter la satisfaction générale des touristes. Ok. Bon, on a fait tout le touriste. Repassons au 5. On n'avait pas fait le supermarché. Qui est le centre commercial du 6. Ça me permet d'avoir de l'argent sur le compte en Suisse. Regardons. Le centre commercial du 6. Alors, je peux diminuer la qualité de travail et la diminuer la durée des visites de 50%. Je peux donner des matériaux de luxe et augmenter la qualité de travail. Ouais, en fait, ça n'a rien à voir du tout. Donc, ouais. Repassons au 5. Je crois que la station de télévision, je l'avais pas faite. La station de télévision du 5. Je peux augmenter les bâtiments de divertissement proche de 1%. Et puis je peux gérer des profits. Ils ont mis la CES sur le 6. Média, ouais. La station de télévision. Donc je peux le faire en télévision payante. Ça augmente la satisfaction de liberté des enfants et des retraités. Mais ouais, la station de radio du 6 a un truc assez similaire. Elle augmente aussi les loisirs aux alentours. Voilà.
Donc, passons au 5. Le laboratoire de recherche. Les laboratoires de recherche, ouais. Donc, ils sont... l'efficacité augmentée de 20 par usine d'électronique proche. Puis on peut augmenter de 50 avec de l'électricité. Passons au laboratoire de recherche du 6. Fonce sur les autobus scolaires pour que vous n'ayez pas à les faire vous-même. Bientôt, sur toutes les routes et sur tous les trottoirs. Donc, ça augmente l'efficacité des bureaux et les raids, donc c'est complètement par rapport au jeu en lui-même, toutes les augmentations. On peut diminuer le coût d'entretien et puis il peut générer un point de connaissance avec ou sans travailleur. Alors. Les bureaux. Les bureaux, donc, ouais, ça va. Donc ça génère des profits par rapport au nombre de personnes vivant à proximité et puis on peut diminuer on peut augmenter l'éducation pour gagner une efficacité de 30% sur les bureaux du 5. Passons au bureau du 6. Alors, déjà, on peut sélectionner les gens avec qui on veut générer de l'argent. Entreprises résidentielles, gouvernementaux. C'est pour ça que c'est bien de tout regrouper vos trucs à côté, les uns à côté des autres. Ensuite, puis on peut augmenter la qualité de travail. Oups. Un soulèvement populaire a commencé. Aïe. Ah s'ils sont. Est-ce que je vais pouvoir finir mon exposé? Je suis pas sûr. Alors le gros porteur. Tirer sur tout ce qui bouge au risque de endommager les bâtiments et bombe intelligente augmente les dégâts de raid. Ok, ben je vais lui faire direct. Passons au
le porte-avions. Le porte-avions, il a tapis de monde un peu. Les bâtiments et les sections autour de la cible subissent aussi, ben c'est pareil, c'est un peu pareil. Et ne provoque aucun. On va le mettre en frappe de précision. Non, je peux pas. Tant pis. Voilà. Repassons au 5 parce que c'est un peu. Ah merde. Hop. Le programme nucléaire du 5. Il permet de réduire les chances d'invasion étrangère. Repassons au 6. Nucléaire de 6, ça empêche les superbes puissances d'envahir notre pays comme le sur le 5 et oui ça augmente la réputation auprès des militaristes et des conservateurs. Et ça peut permettre de fabriquer une bombe nucléaire. Oui, c'est à partir de ce moment-là que ça empêche les invasions quand on construit une bombe. Et jouer les gros bras, ça augmente les relations avec les militaristes et les conservateurs. Et je peux augmenter la vitesse de la bombe en augmentant. Passons, repassons au 6. Au 5, le programme spatial. Ah. Le programme spatial, ça permet de générer des points de recherche. À peu près tout. Passons au programme spatial du 6. Permet aussi de gagner de la connaissance mais on peut aussi gagner au lieu de gagner de la connaissance on peut gagner de la satisfaction religieuse et puis oui si le lancement ne pollue pas ça peut faire gagner 20 000. Et on peut tenter de gagner l'approbation des tropiciens avec la mission stratégique. Repassons au 5. Et normalement, c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur une grosse défaite.
vie de la populace. Et donc je vais bientôt faire essayer de faire une partie avec un objectif d'un million sur ces, les deux jeux en même temps. On verra donc dans les prochains temps. Allez, mais merci d'avoir regardé, à plus tard.